Les fontaines. Une pierre cassée au milieu d'un pays qui s'en fiche. Un morceau de monde qui dérive, porté par les vents et les orages. Une île au milieu d'une terre abrupte. Je connais les histoires de ce village, mais une seule les rassemble toutes. Elle doit être entendue. L'histoire d'André, de son fils Bénédicte, de sa petite fille Bérangère, une famille de médecins. L'histoire de Maxime, de son fils Valère et de ses vaches, une famille de paysans. Et au milieu, une maison, ou ce qu'il en reste. Jadis, la demeure a accueilli des hommes, des femmes, des vieillards et des enfants. Elle a tremblé avec eux. Aujourd'hui, il n'en reste que des pierres calcinées. Les murs tiennent grâce à la poigne des montagnes qui les protègent du vent. Il y a eu là de la vie, des odeurs de viande grillée et d'herbes retournées. Des longs repas et des draps propres qu'on rejette au pied du lit pour laisser la fraîcheur imbiber le matelas. La maison a brûlé. On ne voit plus ses anciens propriétaires descendre à flanc de colline, le dimanche, dans des habits clairs et des chaussures lacées. Parti. En dépit de la tempête, ils sont restés debout, laissant derrière eux la maison incendiée. Ils ont fui. Jusqu'à ce que leur corps, puis leur silhouette, ne soient qu'un point flou à l'horizon que ne devinent plus que dans la mémoire de ceux qui les ont connus. Et seul un homme qui n'a pas d'histoire peut raconter la leur. Valère n'était pas certain de poursuivre ses études. La ferme l'attendait. Les deux frères aînés resteraient sur place, mais malgré leurs efforts, Valère doutait de leur capacité à gérer un tel endroit. Ils avaient trop d'affection pour ces pièces sombres, ils n'acceptaient pas que des étrangers mangent à leur table, couchent dans leurs draps, traversent leurs cours, caressent leurs animaux. Maxime et Delphine vieillissaient, il faudrait les remplacer, être doux, bienveillants, accueillants, s'occuper des chambres pour les ouvriers, des voyageurs de passage, être à la fois rigoureux et compréhensif avec les commis. Les parents avaient tout mis en place pour l'avenir de leurs quatre enfants. Cependant, les choses changeaient aux trois gueules. Bénédicte avait agrandi son cabinet, André se montrait rarement au café, les frères Charrier peinaient à trouver l'argent pour consolider les bâtiments du lycée. Les fourmis blanches se plaignaient, les heures supplémentaires étaient moins bien payées qu'avant, on parlait de la fermeture prochaine d'une des carrières, mais les entrepreneurs restaient muets. Ils avaient dit qu'ils tiendraient, ils trouveraient une solution. Valère était encore un adolescent, mais son corps ressemblait à celui d'un adulte habitué aux travaux quotidiens, aux longues marches. Toute son attention se portait sur son petit frère et ses parents. Il tiendrait, coûte que coûte. Bérangère, elle, avait de l'argent, avant même d'avoir travaillé. Son patrimoine familial, quoi qu'il arrive aux fontaines, lui assurait un avenir radieux. Elle ne connaîtrait jamais la faim, le froid. Elle était bien née. Lui, il n'avait que la ferme, à partager en quatre. Antoine pourrait travailler avec lui, mais Louis et Aimé, une fois leurs parents disparus, poseraient un problème. Ils ne se contenaient pas, se comportaient comme des animaux traqués, incapables de guérir de blessures que seuls avaient ouvertes. Un jour ou l'autre, Valère affronterait ses frères. Le plus tard possible, pensait-il, le plus tard possible. Et puis, il y avait Bérangère. Elle était drôle, intelligente. Elle avait un front large, une bouche et des cheveux fins. Ils s'étaient rencontrés sous un préau et depuis, ils ne se quittaient plus. Valère n'imaginait pas sa vie sans elle. Il était tombé amoureux très vite de sa façon d'être à l'aise avec n'importe qui, de cette manière de traverser la rue, de dire bonjour, très naturellement, parce qu'elle était la fille de Bénédicte et la petite fille d'André. On avait respecté Béni Bérangère avant même qu'elle vienne au monde. La vie continuait, elle persistait. Malgré les forces qui planaient au-dessus des trois gueules, malgré les cris gutturaux des oiseaux qui jaillissaient du torrent, les femmes accouchaient d'enfants robustes et Bérangère, cette fille du pays qui n'avait jamais rien vu d'autre que la plaine devant la terrasse de son immense cabane, Bérangère était tout ce que les fontaines attendaient qu'elle soit. Elle vivrait ici, prendrait soin des autres. Le sang dans ses muscles était un sang pur, un sang guerrier. Elle possédait la beauté discrète mais certaine de sa mère, son élégance aussi,
et l'énergie utile de son grand-père. Elle lui ressemblait quand elle descendait la grand-rue, dans cette façon de saluer les habitués. Une nonchalance respectueuse, comme si tout cela, toute cette vie autour d'un gouffre de pierre où mouraient des enfants, des animaux, des hommes imprudents, était parfaitement naturelle et nécessaire. Valère était tombé amoureux de sa capacité à trouver sa place, à l'occuper pleinement. Elle était différente, si sûre d'elle, de son pouvoir sur les fontaines, de sa famille. Valère voulait faire partie de son monde, côtoyer Bénédicte et André, faire la connaissance d'Agnès, comprendre comment ils avaient manœuvré pour qu'elle soit si belle, si douce. Bérangère savait exactement où elle allait et comment elle y allait. Peut-être était-ce là le privilège des filles bien nées, il n'en savait rien. Elle était la première qu'il rencontrait et certainement la seule des trois gueules. Ni insolente, ni gâtée, elle jouissait de la force de ceux qui ne croient pas en l'avenir parce que l'avenir ne leur fait pas peur. L'avenir est une notion abstraite qu'ils dédaignent parce qu'ils savent d'emblée que tout ira bien. Valère aimait ça. Il adorait passer du temps avec elle. Il ne se touchait pas encore, mais ça viendrait. Ça viendrait. Quand il la quittait le soir après l'école, il sentait son corps se tendre comme un arc. Elle ne voulait pas partir, elle ne voulait pas qu'il parte. Et même s'ils se retrouvaient le lendemain, cela n'apaisait pas leur faim. Ils s'aimaient d'un amour pur, fort. Celui des enfants pour leurs parents, des adolescents pour d'autres adolescents. Ils s'aimaient parce qu'ils avaient confiance. Ils étaient nés dans le même endroit, ils imposaient le même respect. Et les trois gueules leur appartiendraient un jour, du moins le croyaient-ils. Valère ne voulait plus seulement l'accompagner le soir et manger des glaces au café, il désirait tout savoir sur son enfance, sur ses parents, sur son père qui avait étudié en ville, sur sa mère qui n'était pas d'ici mais qui s'était coulée dans le paysage aussi facilement qu'un filet de lait chaud dans un bol de café noir. Il l'aimait, il la désirait. Jusqu'ici, Valère avait passé sa vie sexuelle seule dans sa chambre, l'oreille tendue, la main dans le pantalon, cherchant une extase rapide et silencieuse. Il jouissait vite et puissamment, mais chaque fois, quand il s'étendait sur son lit, épuisé, il pensait au corps de Bérangère, aux mots rassurants qu'il trouvait, aux caresses pour l'apprivoiser. Elle n'était pas farouche. Plusieurs fois, elle lui confia qu'elle ne serait pas une oie blanche, qu'elle ne se refuserait pas ces choses-là. Lorsque sa mère dormit en ville une fois par semaine, elle se sentit plus libre, seule femme à la maison. Son corps prit de la place, imposa sa loi, dicta ses envies. Agnès n'était plus là pour dire qu'il fallait faire attention. Il s'aimait. Il se connaissait. Il retenait les tics de langage, les envies, les peurs, les expressions du visage, la contraction des muscles de l'autre. Il s'épiait. Il s'apaisait. Valère calmait Bérangère lorsqu'elle se mettait en colère. Bérangère rassurait Valère quand ses frères n'étaient pas à la hauteur. Les deux adolescents évoluaient dans un mouvement lent, tranquille. Pourquoi brusquer les choses? Ils vivaient au même endroit, fréquentaient la même école, se retrouvaient dans les mêmes événements annuels. Ils n'avaient rien à craindre. Ni l'éloignement, ni la maladie. Avoir un père médecin dans un endroit pareil était une bénédiction. Ni la mort. Ils ne s'approcheraient pas des carrières, ils ne s'amusaient pas à rentrer tard la nuit après l'heure habituelle. Bérangère et Valère se préservaient de l'influence des trois gueules tout en continuant d'y vivre, de les aimer, de les applaudir quand le soleil se couchait, teintait la pierre d'une brume rougeâtre qu'on ne voyait pas ailleurs. Ils étaient encore jeunes. Valère ne montait pas jusqu'au bas de l'escalier de la cabane, Bérangère ne pénétrait pas dans la cour de la ferme. Plus tard, peut-être. Mais pour l'instant, bien que le village entier soit au courant de leur histoire, ils la vivaient à l'ombre, sur les chemins de leur enfance, dans les ornières des fontaines, loin des maisons qui bruissaient des rires idiots et des clins d'œil appuyés. Le feu entre eux grandissait. Persuadé qu'il épouserait Bérangère, Valère la laissait se pelotonner contre lui. Il la caressait comme on prend soin d'un jeune animal craintif. Il la berçait, promettait des choses qu'il n'aurait jamais pensé promettre. Et cet adolescent de 15 ans, avec ses grands bras et sa mine douce, ses yeux calmes, cet enfant de 15 ans imaginait qu'il était déjà un homme, sa femme endormie entre ses bras. Quoi qu'il arrive,
ils grandiraient ensemble. Ils avaient traversé le plus dur, l'enfance et l'adolescence, dans un pays rivé sur eux, mais ils se tenaient là, debout, alimentés par cette flamme qu'ils partageaient, par cet amour des lieux, cette aisance à vivre loin des villes. Ils s'embrassaient au creux d'une paume géante, celle des trois gueules à l'abri du monde. Même s'ils n'avaient pas eu le temps de s'amuser, de s'exercer avec d'autres filles, d'autres garçons, même s'ils s'entendaient pas encore le chant des sirènes qui tenteraient de les séparer, ils continuaient. La tempête ne les effrayait pas. Ou du moins, pas encore. Souffrir. Allongé par terre dans sa chambre, Valère entendait les vaches meugler dehors, les jurons de son frère qui les rentrait à l'étable. Avec lui, elle ne rechignait pas. Agnès était enceinte, un enfant. Il se sentait dévasté, un trou dans le cœur. Bérangère semblait ravie, un petit frère ou une petite sœur arriverait bientôt, 16 ans après sa naissance, dans une belle maison, une chambre pour lui tout seul, une terrasse immense et un jardin agréable, de l'argent. Cet enfant ne serait jamais inquiet. Il naîtrait dans un monde magique où rien n'aurait d'importance sinon lui-même, parce qu'il venait si tardivement, parce qu'on ne l'attendait plus. L'enfant miracle que Bénédicte avait tant attendu et qu'il s'était résolu à oublier. Quand Bérangère lui avait annoncé la nouvelle, Valère était resté bouche bée, incapable de dire un mot, un coup de poing dans l'estomac. La tempête soufflait plus fort, il pliait sous le choc, battait en retraite, allongé sur le vieux parquet de sa chambre d'enfant. Un nouveau-né. Valère avait mal, tellement mal, comme si on lui arrachait les entrailles, comme si on lui annonçait qu'il ne verrait plus Agnès. Alors qu'il la reverrait, il en était sûr, mais elle ne le regarderait plus. Elle donnerait naissance à un enfant que la famille attendait depuis plus de 15 ans. Seule sa grossesse comptait à présent, le coup de grâce. Elle était enceinte. Quelqu'un avait pris la place de Valère dans son corps, dans sa tête, et cette pensée le torturait. Il avait perdu Agnès. La famille entière vivait sur son nuage. Un nouveau-né, la preuve que la vie recommençait. Valère devait se résoudre à ne plus être au centre de ses pensées, à faire le deuil de cet amour qui avait à peine commencé. Mais on lui demandait d'enterrer un homme encore vivant, on l'obligeait à éteindre une bougie qui se rallumait sans cesse. Recroquevillé sur le sol de sa chambre, il ressemblait à un fœtus énorme, musclé, ridicule. Des vagues de sanglots déferlaient. Agnès, enceinte. Naïvement, Valère avait pensé qu'elle et Bénédicte ne faisaient plus l'amour. Il se sentait idiot, déçu par lui-même. Il avait été arrogant, prétentieux. Il l'avait mise au défi, sauvée de la noyade. Et voilà la réponse. Seul le bébé comptait. Même si Valère hurlait à la face des trois gueules tout ce qu'il ressentait, même s'il la suppliait de penser à lui, il faudrait du temps avant de sortir de cet enfer. Bérangère parlerait de ça en permanence, Bénédicte aussi. Il n'aurait personne à qui parler, personne à qui se confier. Pour la première fois de sa vie, Valère était seul, complètement seul. Il ne pouvait rien dire, rien montrer. Un enfant naîtrait. Un enfant effacerait les regards, les sauvetages, les marques d'escalier des trois gueules. Valère se rappela comment il avait eu envie d'embrasser Bérangère ce dimanche au café. Essaya de raviver la sensation, s'accrocha à ces quelques secondes comme à une bouée en pleine mer déchaînée. Agnès était enceinte. Il l'avait désirée si fort, plus fort que Bérangère. Agnès était une version améliorée de Bérangère, un aperçu de ce qu'elle deviendrait dans 20 ans, avec plus d'allure, plus de caractère. Ses crampes d'estomac ne diminuaient pas. Il sentait son corps pris dans un étau brûlant. Les malheurs du monde n'étaient rien comparés à ce qu'il endurait. Agnès était enceinte. Depuis l'école primaire, il aimait Bérangère et il continuerait en dépit de tout. Il se persuadait que le désir ne durait qu'un temps, mais qu'un amour d'enfance était éternel. Ça ne le réconfortait pas, ça ne l'apaisait pas, mais c'était la seule lueur à l'horizon, une lueur fragile, vacillante, mais il la suivrait, il aimait Bérangère. Peut-être pas comme au début, peut-être pas comme Agnès, il n'avait jamais ressenti de tels tremblements pour sa fille, mais il l'aimait. Il ne lui voulait aucun mal, ils avaient grandi ensemble, et cet amour s'était retourné contre lui. Agnès avait brisé les remparts construits autour de leur histoire en un geste simple, efficace. Agnès était enceinte. Tout reconstruire, ramasser les morceaux un par un, tenter de protéger cet amour une nouvelle fois, retenir les leçons du désir, ça n'avait aucun sens, aucun but.
Charles naquit dans la chambre de sa mère. Elle eut mal. Agnès souffla très fort et très longtemps. Elle avait passé les 3 derniers mois de sa grossesse au lit, à l'étage, entourée de livres, de plateaux, de bouteilles d'eau, de cahiers, de stylos. André restait souvent près d'elle quand Bénédicte quittait la maison. Bérangère montait dans sa chambre dès qu'elle passait la porte, de sorte qu'Agnès n'était jamais seule. Le temps passait plus lentement, il s'étirait. Puis, Charles avait tambouriné, la douleur était montée, telle une brique plus lourde qu'elle-même, tout son corps explosait. Dans le couloir, André et Bérangère attendaient sagement qu'on les invite à entrer. Le vieux médecin paraissait confiant, pendant que sa petite fille faisait les 100 pas, inquiète. Il fermait les yeux, se balançait légèrement d'avant en arrière. Depuis l'annonce de la grossesse, André n'avait pas émis le moindre doute quant à la santé de la mère et de son enfant. Un miracle ne vient jamais seul. Agnès était forte, de bonne constitution, et Bénédicte avait très bien pris les choses en main. Aucune raison que ça tourne mal, aucune. Les forces des Fontaines jouaient de leur côté. On parlerait de cette naissance pendant des années. Ce garçon serait protégé par des événements qui dépassaient les hommes, leurs traditions, leurs croyances, leur capacité à se battre contre ce qui les terrassait. Personne n'avait cru en sa venue, mais il était là, couvert de sang, hurlant dans la couverture grise de son père, ses quelques cheveux noirs plaqués sur son front minuscule, 10 orteils, 10 doigts, tout était en place. Une fois qu'Agnès le prit entre ses bras, Bénédicte ouvrit la porte, invita son père et sa fille à entrer. Bérangère fondit en larmes silencieusement, les deux mains en coupe autour du nez, elle pleurait sans renifler, sans gémir. Elle n'avait pas l'air malheureuse ou effrayée, les larmes jaillissaient et mouraient sous son menton. Agnès sourit en la voyant si émue et lui tendit l'enfant, que Bérangère prit contre sa poitrine comme si c'était le sien. Charles. Agnès avait choisi le prénom de son grand-père, qu'elle trouva noble et brut, comme la terre où le garçon naissait. Charles, un nom royal. Bérangère s'assit au bord du lit. Sa mère s'assoupissait sur ses oreillers, mais elle gardait les paupières ouvertes. Bénédicte s'épongeait le front, regardait sa femme et sa fille, Béa. Son assistant nettoyait ce qui pouvait être nettoyé, discret et efficace. Au bout de quelques minutes, l'accoucheur prit à son tour l'enfant dans ses bras. Debout près du lit, il se tourna en souriant vers son père, resté dans l'encadrement de la porte. Lorsqu'il vit l'enfant, André tressaillit légèrement, pointa du doigt les pieds de Charles. « Regarde, Bénédicte, » murmura-t-il doucement. Le médecin pencha la tête et défit la couverture. Au pied droit, une tache de naissance brune en forme de haricot s'étendait sous le gros orteil. Il sourit, ramena la couverture et plaça l'enfant contre sa mère. « C'est un drôle de miracle, » souffla-t-il. Bérangère ne pleurait plus. Elle avait fixé le pied de son frère avec surprise. Le corps humain était étrange, des traces apparaissaient, des traces, des taches, des grains, des boutons. Agnès s'endormit, Charles entre ses bras. Près de la porte, son berceau, le même qui avait accueilli Bérangère à sa naissance, l'attendait. Le père le plaça sous l'édredon. On n'entendait plus la respiration d'Agnès. « Elle a besoin de se reposer, » dit Bénédicte en se dirigeant vers la porte. Bérangère hésita à se lever. « Je peux rester là ?» demanda-t-elle. D'une voix si douce qu'André eut du mal à saisir la question. Son père acquiesça et mit son index devant sa bouche, pas un bruit. Il sortit le premier. André s'attarda sur le berceau avant de le suivre. Il ne souriait pas. Il ne sourirait plus. Plus jamais.